dark as a highway. Cool wind in my hair, warm smell of gladiators, riding up through the air. Up ahead into the distance, so shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop us. Vous n'arrivez pas à vous accompagner en chantant à la guitare, ça tombe bien, je vais vous aider. Salut, c'est Roux, sur la chaîne Roux Guitare, je vous aide à perfectionner votre jeu de guitare. J'ai reçu cette question de Capharnaüm. Salut, avant tout, merci pour tous ces conseils, je t'en prie cher ami. Petite question, crois-tu que c'est possible de faire sur tous les morceaux une rythmique simplifiée afin de savoir chanter ou fredonner en jouant? Comme beaucoup, le chant en même temps que le jeu me pose problème. Sur certains morceaux ça passe, mais je remarque que sur pas mal de morceaux du groupe où le chanteur ne joue pas de la guitare, c'est très difficile. U2, Depeche Mode, AC/DC, les rythmiques ne sont pas basiques. Comment s'accompagner en chantant Back in Black, Personal Jesus ou Pride, In the Name of Love? Si c'est impossible, je le saurai. Merci pour cette question, cher cafard. Je vais donc tenter de t'aider et d'aider également tous ceux qui se retrouvent un petit peu dans la même situation, à savoir qu'ils arrivent à jouer de la guitare de manière correcte, mais qu'avec le chant, ça bloque. Si vous n'arrivez pas à chanter en jouant, c'est que vous y prenez n'importe comment, sans organisation ni méthode. Alors que vous apprenez vos parties de guitare après un travail d'analyse des mécanismes techniques d'un morceau, et que vous avez répété les gestes, vous essayez ensuite de poser le chant de manière empirique, sans aucun travail de compréhension et d'analyse, et évidemment, cela ne donne rien. Je pense que vous l'avez compris, dans cette vidéo, je m'adresse particulièrement aux guitaristes qui n'arrivent pas à chanter et non pas aux chanteurs qui n'arrivent pas à jouer de la guitare. Alors c'est pas exactement la même chose, donc je ne vais pas vous apprendre à chanter dans cette vidéo, j'aimerais bien en être capable, mais je vais vous apprendre ou du moins vous aider donc à poser ce chant par-dessus vos parties de guitare que en principe vous maîtrisez. Être conscient de ses erreurs et de ses défauts est déjà une première étape pour pouvoir y remédier. Donc je vais énumérer quelques erreurs que l'on fait tous au début, vous allez peut-être vous reconnaître. Erreur numéro 1, vous m'entendez souvent le dire sur cette chaîne, c'est commencer par un morceau qu'on adore plutôt qu'un morceau qui est réaliste. C'est-à-dire que vous allez vous baser uniquement sur vos goûts pour jouer votre morceau préféré. Et là, c'est le meilleur moyen de se prendre le mur de la frustration et du découragement dans la figure. Donc, commencez par quelque chose qui est à votre portée techniquement. Avoir un bon niveau à la guitare ne veut pas dire que vous allez avoir le niveau de jouer un morceau qui est super difficile à la guitare et au chant. Donc, commencez par quelque chose de simple à la guitare et simple au chant. Je vais y revenir un petit peu plus tard et je vais vous aider. Erreur numéro 2, pensez que dans un morceau donné, tous les instruments se valent en difficulté. C'est-à-dire que si les parties de guitare sont faciles, alors le chant de facto le sera également. Ça, c'est une idée reçue. Avec la méthode que je vais vous suggérer aujourd'hui, eh bien, ça va vous permettre d'éliminer rapidement ces morceaux trop difficiles et de ne plus perdre des heures à rager contre votre guitare et vos doigts, consumés par le découragement. J'y arrive. Erreur numéro 3, pensez que tous les morceaux et tous les groupes se valent en difficulté. Ça a été une de mes erreurs, je le reconnais. Partir du principe que si vous êtes capable de chanter et jouer honorablement Hurt de Johnny Cash, eh bien vous allez être capable d'en faire autant avec Symphony of Destruction de Megadeth. Évitez au début les morceaux à texte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un morceau avec 3 accords, mais 3 pages de texte avec des débits rythmiques irréguliers qui sont extrêmement complexes à mémoriser. Erreur numéro 4, j'en ai déjà un petit peu parlé au début, eh bien c'est penser que le chant et la coordination guitare-chant ne se travaillent pas. C'est-à-dire ne pas produire d'exercices spécifiques pour vous améliorer comme vous le feriez avec la guitare toute seule. Donc ne pas avoir de méthode, être désorganisé, eh bien c'est aller nulle part. Alors c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien on s'entraîne et on s'organise. Il n'y en a pas pour des années, rassurez-vous, mais avec un petit peu de patience et de discipline, vous allez y arriver. Et à la fin de cette vidéo, je vous ferai une liste de morceaux simples et intéressants qui seront le socle sur lequel vous allez pouvoir vous construire un répertoire et progresser. Si vous n'avez pas la patience de suivre cette méthode jusqu'au bout, eh bien tant pis pour vous. Dans 2 ans, vous en serez exactement au même point qu'aujourd'hui, rien ne se passera.
Pour ceux qui restent, félicitations. Dans 10 minutes, vous aurez compris les fondations de la technique chant-guitare. Vous aurez confiance en vous. Vos amis vous complimenteront quand ils vous entendront vous accompagner avec assurance. Abonnez-vous, s'il vous plaît, à la chaîne Roue Guitare. C'est gratuit. C'est parti. Par quoi on commence ? Par un morceau facile, bien entendu. On ne va pas commencer par Back in Black de AC/DC. Non. Beaucoup font l'erreur de le croire facile, mais c'est ce que j'appelle un faux ami. C'est un morceau qui est extrêmement difficile, particulièrement si vous voulez faire le chant et la guitare en même temps sans l'avoir travaillé. Vous allez vous prendre les pieds dans le tapis à chaque fois. Je vous promets de faire un tuto sur ce morceau, car c'est un morceau que je travaille, mais sans méthode, il est carrément impossible à jouer. Nous allons donc commencer par Hotel California des Eagles, qui pour moi est un morceau relativement simple. Alors ce n'est pas un morceau à trois accords, mais les paroles sont quand même assez connues. Quelque chose qui fait que Hotel California est un morceau intéressant, et je pense le bon morceau pour vous pour débuter, c'est qu'on peut séparer les accords des paroles assez facilement, donc faire une version très très simplifiée comme ceci. On a dark desert highway, cool wind in my hand, warm smell of colitas, rising up through the air. Vous voyez que j'ai pas fait de coordination main rythmique avec les paroles. Et vous pouvez prendre tout votre temps pour le chanter, donc plaquer un accord et ensuite placer les paroles. On a dark desert highway, accord, cool wind in my hair. Vous voyez que je peux attendre très longtemps avant de chanter les paroles. Je peux même rajouter des notes de basse. Warm smell of colitas, riding up through the air. Vous pouvez faire un rythme chanté plus lent en fait que votre rythme guitare. Donc ça peut être déjà un bon exercice intermédiaire. On va bien entendu diviser notre approche en plusieurs étapes. L'étape numéro 1, c'est de connaître les parties de guitare de votre morceau. Je pense que cela va sans dire. Donc pour Hotel California, il s'agit juste de strummer des patterns rythmiques simples et réguliers avec les accords du morceau que vous allez trouver très facilement sur Internet. Donc vous pouvez démarrer par cette forme-ci. 1, 2 et 3 et 4. 1, 2 et 3 et 4. Étape suivante, on pose la guitare et on va travailler les paroles séparément, donc avec le morceau dans un premier temps. Donc là, vous allez simplement prendre les paroles, donc les avoir sous les yeux, mettre la bande, la musique, et vous allez dire les paroles par-dessus. Vous n'allez pas chanter. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas, rising up through the air, up ahead in the distance, I saw a shimmering light. Head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Donc si vous remarquez qu'il y a des endroits où c'est pas clair, eh bien vous retournez, l'écoutez, vous écoutez bien quel est le rythme des paroles et vous vous y reprenez plusieurs fois jusqu'à temps de vous sentir suffisamment à l'aise. Étape numéro 3, c'est ok de ne pas encore connaître par cœur les paroles du morceau. On va maintenant poser les textes sur la guitare. Cette étape est fondamentale car c'est sur laquelle repose tout le reste. Donc je vais jouer les accords et lire le texte avec le rythme du morceau. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Cette étape n'a pas besoin d'être parfaite. C'est un draft, c'est un brouillon. Donc on a besoin comme ça d'avancer graduellement. N'essayez pas de faire quelque chose de parfait dès le départ. Sinon, vous allez rapidement vous retrouver bloqué. Il faut prendre confiance en vous sur chacune des étapes, éventuellement trouver que chacune des étapes est trop facile. Ça, c'est très très bon signe. Étape numéro 4, travailler la coordination des débits chants avec le strumming, la partie rythmique de la guitare. Donc la partie rythmique, je vous suggérais de faire 1, 2 et 3 et 4. Donc vous allez le faire sur deux fois sur chaque accord. 1, 2 et 3 et 4. Vous
Donc avant d'enchaîner les accords, vous allez simplement strummer en étouffant les cordes. Et maintenant, vous allez lire vos textes en rythme avec ce pattern de strumming guitare. 1, 2 et 3 et 4. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas, riding up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering. Étape numéro 5, on va essayer maintenant d'apprendre le chant et d'apprendre à le chanter. Donc on va céder au départ du morceau. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of colitas, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my eyes had grew dim. Had to stop for the night. Alors, vous voyez donc que ce n'est pas parfait, qu'il y avait quelques petites hésitations, que je n'ai pas collé parfaitement avec la bande originale, mais ça me donne déjà une bonne idée de comment je vais pouvoir me débrouiller ensuite avec ma guitare. Je vous rappelle que quand il n'y aura plus le morceau derrière moi, eh bien, on n'entendra plus ces petites hésitations, on ne pourra plus comparer avec le morceau original. Pour retrouver le chant, vous pouvez bien entendu vous aider de votre instrument pour retrouver ses premières notes. On a dark desert highway. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris avec le chant, vous avez sans doute remarqué que je le chante une octave plus bas. Alors pour le moment, c'est tout à fait excusable dans la mesure où on travaille la coordination chant-guitare et que je souhaite donc économiser ma voix et donc ne pas la pousser ou du moins de ne pas la faire trop travailler alors que ce n'est pas véritablement nécessaire. Étape numéro 6, on va essayer de faire coller la rythmique avec le strumming guitare avec le chant véritablement. On va jouer quand même un petit peu plus lentement pour essayer de trouver ses marques. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Pour certains d'entre vous, ça va être assez facile finalement de garder ce motif de strumming tout en chantant le morceau. Et puis pour d'autres, eh bien, ils vont se désynchroniser et ça va être compliqué. Donc ce que je fais particulièrement avec les morceaux que je trouve difficiles, eh bien, c'est d'écrire le motif de strumming, c'est-à-dire ce motif rythmique d'accompagnement à la guitare. Et puis j'écris les paroles également du morceau par-dessus pour voir à quel moment tombe telle syllabe, sur quel mouvement, particulièrement les attaques médiators vers le bas. Ici, ça donnerait ceci. Bas, bas, au bas, au bas, 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 au bas, au bas. Donc ça va faire 1, on a dark desert highway. Encore une fois, 1, 2 et 3 et 4, 1, 2 et 3 et 4, 1. On a dark desert highway. Vous faites la même chose pour les paroles suivantes. Cool wind in my hair. Etc, etc. Donc ça, c'est vraiment à vous de regarder ça de très près. Au début, ça va vous faire un petit peu peur. Ça veut dire, bon, mais j'ai jamais joué tout le morceau comme ça. Bon, en fait, vous allez voir que dans le cas de Hotel California, ce type de rythmique vocale, elle va se répéter pratiquement à l'identique sur tout le reste du morceau. Donc vous n'aurez pas à réapprendre. Vous allez très rapidement, une fois que vous maîtrisez le premier couplet, retrouver vos repères et pouvoir chanter la suite du morceau. Donc il y a beaucoup de morceaux comme ça où voilà, au départ vous êtes nulle part. Et puis une fois que vous avez bien analysé les premières paroles du morceau, bon, voilà, vous rentrez dedans et ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite et ensuite de maîtriser le morceau
de manière assez satisfaisante. Il est évident que cette approche méthodique et structurée, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de la reproduire pour tous les morceaux que vous allez travailler. Il y en a d'autres où le chant va se poser de manière un peu plus naturelle. Mais plus vous travaillez comme ceci, et plus au final, eh bien, ça va se mettre en place rapidement, et plus vous allez gagner du temps, gagner en confiance en vous-même. Apprenez pas à pas, avancez progressivement, faites-vous un petit répertoire de morceaux basiques que vous êtes capable de maîtriser. N'allez pas chercher immédiatement votre morceau préféré, n'allez pas, on en a déjà parlé, pas de Bohemian Rhapsody immédiatement, pas de Stairway to Heaven. Les gens qui font des reprises de ces morceaux, vous ne savez pas combien de temps ils ont passé dessus, parfois des années, parfois ce sont des très grands fans. Ce ne sont pas des morceaux qu'on peut improviser comme ça et décider de sortir du chapeau sur un coup de tête. Voici maintenant une petite liste de morceaux que je trouve assez basique et simple et sympa. Donc si vous voulez vous composer un petit répertoire, eh bien, je vous conseille de commencer par ces morceaux-là. Ouvrez la description de la vidéo pour retrouver ma liste. Vous les amis, si vous avez des morceaux à suggérer, eh bien, je compte sur vous dans les commentaires pour me faire part de votre expérience. Wish You Were Here de Pink Floyd. Donc il y a cette intro à la guitare qui est très très sympa, qui va peut-être vous demander un petit peu de travail, mais on part du principe que vous savez jouer de la guitare. Et pour le chant, bien, il n'y a que des accords ouverts et vous allez voir que ça va se poser assez naturellement. Deuxième morceau, c'est Smoke on the Water. Il est moins difficile qu'on ne le pense, surtout si vous simplifiez la rythmique au lieu de faire. Vous pouvez en fait juste donner un coup de... une seule attaque, oui. I came out to Montreal on the lake Geneva's shoreline to make record with a mobile. We didn't have a time. Smoke on the water, fire in the sky. Donc c'est comme ça que je le joue. Alors évidemment, il se chante une octave plus haut, je ne le montrerai pas aujourd'hui. Mais c'est un morceau qui est... Je vous conseille, hein, si vous aimez le rock et le hard rock, celui-là, ben, il est accessible, hein, beaucoup plus qu'un morceau de Megadeth. Alors ensuite, il y a Let It Be des Beatles. Vraiment, placer les accords comme ça en strumant vers le bas, c'est pas un gros défi. Et avec les paroles, alors attention, bon, là encore, McCartney le chante une octave plus haut. Voilà, avec un petit peu de travail, je ne l'ai pas travaillé énormément, mais voilà, vous, si vous souhaitez faire ce petit effort, je pense que ça va payer. Alors, il y a le fameux Hurt de Johnny Cash. Vous savez que c'est une reprise, hein? Un morceau de Nine Inch Nails. I hurt myself today. Donc là, vous avez le... I hurt my... Donc, hurt my, qui vient sur le Do majeur. Donc, qui est assez simple à comprendre. Ensuite, il y a House of the Rising Sun de The Animals. Là encore, c'est pareil, vous avez le « There is a house in New Orleans, they call the rising sun. » Donc à chaque fois, vous avez un petit accent rythmique qui tombe sur les syllabes des paroles, donc ça devrait vous aider à vous répéter. Ensuite, voilà, et bon, évidemment, il chante assez haut, mais voilà, même si vous faites juste « There is a house in New Orleans, rising sun. » Vous pouvez faire votre version, il n'y a absolument aucun souci. Ensuite, il y a le morceau de Ozzy Osbourne, Dreamer. Là, je ne vais pas vous le jouer, mais je vous assure qu'il est, il est assez basique. Les accords sont tout bêtes. Summer Wine de Nancy Sinatra. Là, c'est un morceau à trois accords. Vraiment, je vous le conseille. Regardez, c'est un morceau qu'on a tous entendu, mais qu'on a tous oublié. Mais il est super chouette. Moi, je l'adore.
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à vous conseiller? Lou Reed, Perfect Day. Et puis pour le reste, bien, vous ouvrez la description de cette vidéo. Il y a des artistes comme Neil Young, comme Bob Dylan. Certains morceaux de Bon Jovi, si on met le chant, la hauteur du chant à part, c'est pas si compliqué ça de s'accompagner. Je pense que Bon Jovi compose beaucoup avec une guitare. Et donc il y a beaucoup de choses qui tombent rythmiquement avec les paroles de manière compréhensible. Pardon. Et puis voilà, des morceaux de Elvis Presley, de Tom Petty, de Bruce Springsteen, il y a plein de choses comme ceci. Maintenant, il y a des artistes qui sont pas si faciles que ça. Je pense à Radiohead. Alors, il y a ce morceau Creep qui est le seul en fait de Radiohead qui est assez accessible, mais tout le reste, c'est des choses avec des motifs de guitare. Alors, je sais pas comment ils font, mais vraiment un immense talent Radiohead. Elton John, pareil. Il n'y a rien de facile dans la musique de Elton John, même si c'est un artiste voilà, qui est assez pop, dans le sens tout le monde peut aimer Elton John, mais tout le monde ne peut pas jouer Elton John, en tout cas au début. Pearl Jam, voilà, je les adore, mais alors vous allez vous amuser si vous essayez de faire le chant avec la guitare. Bon courage, j'essaye de travailler ça et j'espère un jour pouvoir vous proposer bien quelques petits conseils et quelques petites astuces pour défaire les nœuds. J'espère donc que ceci va vous aider, chers amis, et va vous motiver, va vous redonner espoir. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions s'il y aurait éventuellement un morceau que vous souhaiteriez me voir aborder et couvrir sur la chaîne Roue Guitare, donc avec le chant et la guitare. Eh bien, j'en ai déjà deux en tête, c'est Enter Sandman de Metallica et Back in Black de AC/DC. Donc on va voir si ça peut se faire, si ce type de vidéo trouve son audience. Je vous assure que je les ferai avec plaisir. Je vous retrouverai le plus vite possible pour un prochain tuto guitare. Bye bye.